Eh bien, salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de Air Conflict du Vietnam Ultimate Edition, un jeu édité par BitComposer, développé par GameFarm. Le type, c'est la simulation, c'est un jeu d'avion et d'hélicoptère. La sortie française, c'est le 27 juin 2014 pour la version PlayStation 4, parce que c'est une exclusivité PlayStation 4 pour cette version Ultimate. C'est également disponible sur PC 360 et PS3 pour l'édition simple, qui était sortie, si je dis pas de bêtises, en septembre ou octobre 2013, j'avais déjà fait la découverte. Du coup, on va revisiter ce jeu. C'est déconseillé au moins de 18 ans. Pourquoi ? Parce que la violence, même pas, c'est 16 ans, parce que c'est RBC. Et dans cette édition, bah, c'est une édition de la mort qui tue. On va voir comment ça joue. En tout cas, ça se joue de 1 joueur en solo et de 2 à 8 en multijoueur. C'est bon à préciser, mais c'est compatible avec la 3D. Donc, pour ceux qui ont une télévision 3D, c'est good. Au niveau du téléchargement, c'est 11 Go, et puis bah, on va commencer en espérant qu'on passe un bon petit moment. Voilà, pas grand chose à dire à part ça. J'ai juste testé le multijoueur, il y avait personne. Voilà, c'est juste pour s'il y a des personnes qui souhaitent le jeu pour jouer en multijoueur, bah, ça sert à rien. Je vais jouer l'histoire de Joe Thompson. Why not? Comme on dit dans le jargon. The first Indochina War ended in 1954 and led to the expulsion of French forces who had occupied the peninsula for almost a century. Vietnam was left divided into the communist north and Catholic-led but predominantly Buddhist south. The south was supported by the United States, who saw the spread of communism as one of the 20th century's worst problems. The fear was that a domino effect would occur, that after the loss of one nation to communism, neighbors would surely follow. The United States was facing an encroaching communist front and decided that Vietnam was the place to make a stand. Recent operations saw thousands of South Vietnamese families moved into militia-controlled fortified villages as part of the Strategic Hamlet Resettlement Program. However, Viet Cong have infiltrated several of these South Vietnamese hamlets, killed their leaders, and seized control. We need to support the South Vietnamese Air Force in wiping out these VC-controlled hamlets. For the first part of this operation, we'll soften up their defenses with airstrikes, ready for an assault with light tanks and infantry. Ok, donc maintenant, à moi de choisir le véhicule. Celui-ci a plus de gueule parce que il est en version pointe, donc on va prendre celui-ci, hein, sans prise de tête. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'ai oublié de vous poser la question. Ok, joystick gauche, contrôlez la vitesse de votre hélicoptère. Ouais, mais là, on est en train de diriger un avion. Donc, ça serait bien de me donner les touches pour l'avion. Et pour ceux qui se demanderaient, non, j'ai complètement oublié comment se jouait le jeu, parce que pour la version PlayStation 3, quand je l'avais faite à l'époque, bah, j'y avais joué et vite joué, vite oublié. Roger that. Ok, c'est Bibi. Par contre, la vue est assez étrange. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Que j'ai l'impression que, bah, ils ont pas compris que fallait centrer l'avion. Mais bon. Vire à droite. Hop là. Des tacticiels comme d'hab. En tout cas, le jeu a pas l'air très moche, hein, finalement. Ils ont peut-être fait, une refonte graphique par rapport au jeu. Okay, on redescend en piqué. Et le jeu est plutôt joli. En même temps, c'est ce qu'on demanderait du jeu. Hein. Ok, ça sert à faire des vrilles, comme ils disent. Oh, attention! Un looping. Par contre, faudra arrêter. Maintenant, j'ai mal à la tête, s'il vous plaît. Toucheront contre-mesure. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais pourquoi pas. Je cible droit post-combustion. D'accord. Ça
que là, c'est ce qu'ils me disent. Hein. Ok. Ils n'avaient pas précisé de dire joystick droit vers l'avant. Bah oui, parce que... joystick droit freiné. Ok. On va accélérer un petit peu là parce que... T'inquiète, on remonte. Voilà, je tire les canons. L3, vue bombardement. Normal. Attention. Touche croix pour utiliser... Maintenez touche croix, t'es genre c'est... Oh putain! C'est quoi ça? Ok. Touche haut. Il y a beaucoup de touches à... Il y a beaucoup de touches à retenir, je trouve. Hein. Touche carré, le train d'atterrissage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en 2 secondes, ils vous apprennent 50 touches, mais moi, j'ai rien retenu. Je suis pas un filou de Gervais, quoi. Et pourquoi on va les tuer? Ils m'ont rien fait. Genre les mecs. Allez. On va essayer de se faire plaisir. Ouais, ok, j'ai lancé un bombardement. Pour une fois que je fais bien un truc. Attendez, eux, je vais me les faire. Oh putain! Ils me tirent dessus aussi, ces barbares là. Attends, on freine un petit peu. J'habitais vraiment à l'étrange, voilà. C'est le mode que je cherchais. En même temps, j'ai pas pris mon arme secondaire, je suis désolé. Hein. Je suis désolé si je joue comme une crotte. Veuillez me pardonner. Et là, ça va être la bonne. Là, j'utilise. Voilà. Voilà. Bande de grosses vilaines. On prend un peu de vitesse. En tout cas, oui, le jeu est plus beau que dans mes souvenirs sur PS3. Il était pas magnifique, mais là, je trouve que ça se maintient. Je vais plutôt faire ceux qui sont là-bas. Parfait. Ah, c'est bon. NVA MiGs are approaching. Protect our bombers before the MiGs reach them. Alors. Oh putain, oh, comment j'ai démonté. Première victoire, merci. Là, mais j'essaie de le retrouver. Voilà. En tout cas, ce qui est bien, c'est dès qu'on tire sur l'avion en question, il prend direct. Allez, je vais baisser un peu de régime. Que je vais un peu trop vite, là, je trouve. Je t'aurai. Petit filou de Gervais, je t'aurai. Et voilà. Krusty Bat, qui peut me battre? Personne. Salut! C'est bon, on a réussi là. Ouais, nice. Nice! Good job! Now destroy the remaining hamlets. Ça se fait hop quand même. Hein. Allez, on se concentre. Voilà. Mitraillette, elle est vraiment efficace. Moi qui déteste jouer avec une mitraillette. Maintenant que j'ai appris un petit peu à... Ma bombe, elle a pas touché. Fait chier. Oula, attention. Là, ce qui serait bien, c'est que je réussisse un petit peu ce que j'entreprends. La frappe est réussie, mais... Attendez, je suis désolé, on va reprendre un peu de vitesse. Hop. Celui-là qui est là, je vais ralentir... Merde, excusez-moi.
J'ai fail. Ça veut pas par là. Je pense que cela, si je ralentis, je vais pouvoir. Voilà, c'est bon. La cible était touchée. Je reste pas appuyé sur croix pour la vue du missile exprès parce que je sens que je vais foirer sinon. Ok, bah j'ai plus de missiles, enfin j'ai plus de bombardement, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement. Mais là-bas, j'avais pas pété? Attendez, je vais prendre plutôt par ce côté-là. Vitesse faible, j'accélère un petit peu, sans trop accélérer. Je pense que si je passe par là. La frappe aérienne sur les positions de Jetkung a réussi malgré. J'ai pas compris. J'ai réussi ou j'ai foiré? Il y avait un temps prédéfini, je sais pas. Que moi je faisais mon taf, je sais pas, je le faisais bien, je trouve. Je comprends pas. Le jeu il me dit même pas si j'ai réussi ou non. C'est écrit oui. Je pense que j'ai réussi. I was so excited to hear that you've been transferred to Vietnam to support our fight for democracy, and I wanted to shake your hand. I've told all my friends that my brother's gonna fight in Vietnam. Some of them said that we shouldn't be dictating how other nations are run, but I know they're wrong, and that we're doing the right thing. Mother is worried about you, and she sends kisses. But she is sure our father would be proud of you should he be with us still. God bless his soul. Lisa was here yesterday bringing me your old textbooks. Zoe was helping, and she was very proud too, telling everyone she was helping Uncle Me learn. After finishing college, I want to be just like you, but on the ground. It's the Marines for me. You take care and kick some commie asses. Your brother, Neil. Ok, donc là c'est parti pour l'hélicoptère. Je pense qu'on va faire c'est le didacticiel de chacun. En plus, il me propose que celui-ci. Allez, c'est parti, mes petits loups. D'ailleurs, le mot magique de cette vidéo, c'est Suisse. Vous devez placer Suisse en commentaire. Merci. Les fortifications ont été sévèrement dégradées. Et maintenant, l'attaque de terrain doit commencer. Les tanks vietnamiens light tanks et infanterie sont déjà sur leur chemin aux hamlets. Nous allons fournir du soutien pour assurer leur succès. Mais attention. Les défenses AA sont encore actives dans la zone. Donc, nous devons prioriser ces quand spotted. Ah, le Cobra. On va prendre celui-ci. J'ai les équipés. L'autre, il a rien. Hop, c'est parti. En espérant que l'hélicoptère se dirige peut-être un poil mieux que l'avion. Même si l'avion, je vous avoue, sur la fin, j'avais compris le système et c'était pas si mal. Mais j'ai pas compris pourquoi ils m'ont arrêté d'un coup. Franchement, ça, c'est des trucs qui m'énervent. Surtout de pas comprendre le comment du pourquoi. Après, je suis peut-être con, j'ai peut-être pas fait attention à ce qui avait été écrit. This is Cobra 2. I think we've been hit. I'm initializing test control sequence. Roger that, Cobra 2. We don't see any visible damage to your bird. Perform the full control test to confirm. Mais franchement, la vue, ils auraient quand même pu faire une meilleure vue. Parce que je vous jure, moi je vois pas. Normalement, l'hélicoptère, il devrait être centré. Après, on peut changer de vue. Voilà, par exemple, là, je suis en vue d'intérieur. Ou la vue, on va dire. Vraiment à l'intérieur, mais franchement, quand vous faites un jeu, c'est la moindre des choses quand même. Orienter l'hélicoptère vers l'avant. Hop, vers l'arrière. Ce qui est bien, c'est la petite musique de fond. J'espère juste que je me prendrai pas un droit d'auteur par rapport à celle-ci. Ça m'étonnerait pas. Joxy 3, prenez de l'altitude. Hop. Oui, chef. Je suis rodé maintenant avec. Avec GTA au niveau de l'hélicoptère. Voilà, petite esquive. Hop. Tu sais danser? Hip hop. Oulala.
Oh, le missile a l'air bien violent par contre, hein. Maintenant, touche 3 pour suivre la vue du missile. Au bas pour l'arbre secondaire. Touche triangle et échangez votre hélicoptère pour un UR. Hop. Oh, ça c'est cool. Attends, je suis dans la cage, je crois. Thanks, Bishop. All seems to be working well. Proceed with the mission objectives. Alors, quel est notre objectif? Some Vietnamese tanks failed to break the Hamlet fortifications in the valley. We don't have any ground forces in the area, but to break the Hamlet's defenses, our Cobra squad will crush them from the air. D'accord, on va les pilonner. Sans problème. Moi et le pilon, ça fait 2. Je sais pas si c'est. Qu'il y a une vue automatique qui se met. Enfin, une visée automatique, pourquoi pas. Il faut faire attention parce que moi aussi je peux me faire viser. Allez, on retourne. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien fait. Ok, détruisez le nid de mitrailleuse. Pas de problème. Tant que vous me laissez le faire en entier et pas m'enlever le truc en plein milieu, quoi. Voilà, moi je suis un fifou, je tire partout. Par contre, on esquive. On esquive, je dis. On revient et cette fois-ci, ce sera la bonne. Je suis un fifou, moi je tire des missiles, ok. Je ne quand même tue pas mal. Ma foi, c'était. Ok. La caméra qui tremble, tout à fait normal. Il en reste encore un là, voilà. Allez, fais le toit et ce sera la fin. Je sais pas pourquoi il n'a pas voulu viser. Hoppa, objectif atteint. Hop, on se barre. Allez, salut! We can capture the second hamlet quickly by dropping our troops near the hamlet at LZ Bravo. However, LZ is heavily protected by double A's. Cobras have to destroy the double A's to allow Hueys to deploy our boys at LZ Bravo. Allez, on y va. Détruisez le DCA ennemi, pas de problème. Genre, je le fais un petit peu à l'accent anglais, t'as vu? On aime bien la musique qu'il y a au fond. Ça met... Oh, ça sert à rien de défoncer ce qui... Je vais plutôt m'acharner. Voilà, si... Par contre... Voilà, du premier coup... Et oui, je suis un viseur à repère, surtout que là c'était pas auto-looké. Des questions? 3615, petit cochon. Je vous répondrai sans problème. Larguer des troupes nanana et protéger la zone. D'accord.
J'arrive. Je sais pas si je peux atterrir. Ok, non, il veut pas que je bouge. Bah, attends. Alors moi je reste là, je sais pas ce qui se passe de l'autre côté. Mais je pense que c'est bon. Great. Our troops were deployed safely at the LZ. We have to provide cover fire until they establish a defensive perimeter. Ouh, ça me plaît ça. Ouais, pour l'instant c'est que le jeu est pas très beau. C'est limite il est aussi il est pareil que la version PlayStation 3. Hein. Ouais. Là, faut pas se mentir. Mais comme je dis, dans ce genre de jeu, est-ce qu'il faut vraiment avoir un jeu beau? Tant que le jeu vous plaît. Après, le gameplay aussi est bizarre, mais moi, généralement, j'aime bien les jeux bizarres. C'est souvent dans ce genre de jeu que je prends le plus de plaisir. Ok, je voulais juste tester. Je crois que c'est mes potes. Ou pas. Allez, je m'en fous, je vais genre tabou dessus. En même temps, je sais pas ce qu'ils font au milieu alors qu'ils savent qu'il y a un hélicoptère qui est en train de leur tirer dessus. Merci l'IA qui est ma foi très convaincante. Ok, c'est vrai que moi, au lieu de tirer sur des pauvres nukes, voilà, je te lance une grenade, t'as vu? Petit bâtard. Alors, c'est bon? Ah non. Voilà, je lance une petite grenade. Allez, on joue au bowling. Voilà. C'est parfait comme ça. C'est ça le jeu, non? C'est le bowling. Allez. Hop là. Youpi. Ouh, là-bas, il y a du monde. Magnifique. On s'amusait, hein. Oh non. Aucune partie civile n'est tolérée pendant les op. Trop de civils sont morts. On abandonne la mission. What? J'ai peut-être pas le droit de les tuer. C'est ça que vous voulez me dire? Eux là, c'est mes potes. C'est... Je sais pas. En fait, depuis tout à l'heure, je crois que j'ai tiré sur mes potes. Donc... Excusez-moi pour avoir joué au bowling avec vous. C'était vraiment pas voulu. Je vous prie de bien. Là, on va essayer d'en tuer aucun. Alors, pour me faire pardonner. En même temps, je dis tuer aucun, là, je n'ai tué un qui était. En même temps, qu'est-ce qu'il foutait devant un tank? Expliquez-moi, vous avez un exposé. Une heure. Pourquoi ces fichus militaires entouraient le tank alors qu'ils n'avaient aucun moyen de le défoncer? 93% en plus de l'énergie. C'est si la famille. Toi. Surtout résiste. Eu un boulet de les tous les tuer. En même temps, je me dis, c'est cool, c'est une partie de bowling. Ça me fait plaisir. En fait, non. Ils sont encerclés de rouge. Moi, le rouge, pour moi, c'est. Voilà. C'est forcément un ennemi. Mais pas dans le jeu, non. Dans ce jeu, ça n'existe pas. Il y a personne là-bas. Toi là. Voilà. Allez, salut. En fait, en plus, dès qu'on lance une grenade et qu'on touche pas la cible, on le tue en une fois. Par contre, dès que vous lancez la grenade sur la cible, cette personne, enfin ce véhicule, n'explose pas. Date logique. Ramenez-moi là-bas. Que je me les fasse tous, s'il vous plaît. Dites-moi pas que c'est fini. Je veux les défoncer. Sinon, laissez-moi sauter à la flotte. Je vais à la nage. Surveillance reports NVA HQ located near our position. Destroy it to minimize the NVA presence in the area.
Voilà, j'ai déjà fait pas mal de dégâts là. Hop, on esquive. On esquive. Oui, je sais, je quitte la zone de combat. Mais, it's not de ma faute. Ok. Là, je leur ai fait très très mal là. Hop, on esquive. Ok, voilà. Alors, en même temps, je fais des putains d'esquives. Ils arrivent à me trop toucher. Juste après. Oula, oula, attention, 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 petit Nacerou. Faut faire attention. Et moi je joue tel un barbare. Voilà. En même temps mes missiles ils partent complètement en l'air mais ils finissent par descendre. C'est assez étrange. Je vais laisser aucune chance à l'ennemi. Par contre, attention les civils. Hein. Et si à cause de vous, la mission est échouée, je vous défonce. Mais carrément. Hop, là il y en a un ici. Je vais essayer de me le faire vite fait. Voilà. Il doit pas rester grand monde. Et ça aussi, il reste quand même pas mal de personnes. Par contre, les bruitages... C'est moi ou le truc n'explose jamais? Entendez les bruits que ça fait? C'est... Ça devrait pas exister en 2014, ces bruits-là. Alors, attendez... Je me remets bien. Voilà. Fait. Voilà. Il en reste d'autres. Alors, où est... Le mec a voulu faire les bruitages du jeu, je l'emmerde. Franchement. Enfin, j'explose tout, ça y est. Quand il est énervé, il est énervé. Normalement. Putain, mais en plus, le truc qui se manipule. Mais vraiment. Merde. Oh putain. Bon, allez, attendez. Je fais un petit tour, je reviens. Voilà. C'est ce qu'il y a de mieux à faire dans ce jeu. Et là, allez où la cible. Merde. C'est bon là, non? Ok, la cible a l'air invincible. Oui, je me pourris, c'est pas grave. Ah si, ah si, ça perd un petit peu, allez. Boum, et voilà. Comment on finit la mission, tranquillou, bien là, allez, on va aller danser un petit peu. Attention mes petits loups, allez je me barre, salut. Et un petit peu, tadam, tadam, tadam. Bref, désolé, je fais le corps un petit peu. Je suis content d'avoir fini la mission, sans réellement avoir fait un échec. On se satisfait comme on peut, voilà, on va dire ça comme ça. Hein. En même temps, j'ai pas fait vraiment de gros fails, à part jouer avec les soldats, au bowling, hein. Sinon, à part ça, tout va bien. I wonder how much good it does, rounding up these scattered communities, uprooting families and farmers, and moving them into these supposedly secure hamlets. None of them thanked us for it. None of them wanted it. It's this kind of erosion of society that makes individuals stand and fight, to protect, and cling on to what they hold dear. But with the threat of communism looming over us, we must make hard choices and follow them through, whatever the consequences, for the greater good. People will see this, must see this, in the future. Eh bien voilà, on va s'arrêter là, c'est mieux comme ça, parce que sinon, ça va être un petit peu long. 30 minutes, je trouve que c'est pas mal, en plus là, c'est avec
le bombardeur, moi j'appelle ça comme ça. Si vous voulez une suite à cette vidéo, ou au pire j'en ferai peut-être des lives, bah dites-le moi en commentaire, parce que c'est le genre de jeu à plutôt faire en live, parce que ça, c'est plutôt marrant, voilà, c'est marrant à faire, mais ça serait plutôt chiant à regarder en vidéo let's play. Mais demandez-le moi si vous voulez un let's play, y a pas de problème. Sinon, bah, vous pouvez laisser un petit like si ça vous a quand même plu. Je suis désolé si la qualité du jeu est pas terrible, mais bon, le but de la chaîne étant de découvrir un maximum de jeux, qu'ils soient bons ou non. Et puis, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout, salut!